Je vous ai déjà raconté à la fois où j'étais totalement bourré et que j'ai insulté des flics en Russie. Oh j'ai dû le faire dix fois peut-être. Mais est-ce que, est que ça vous intéresse? Oh je l'ai jamais raconté, je crois, vous avez l'air de pas être au courant. Hein. En gros, on était allé à, à un bar avec Irina. Donc euh, ma, ma waifu. Et euh du coup c'était un bar... Euh, comment euh, laboratoire un petit peu. Hein. Dans le sens où euh... Où en fait, et eh ben, c'était ambiance laboratoire. Genre, tu, les shots c'était dans des tubes à essai. Les shots c'était dans des tubes à essai. Et du coup, bah, tu sais c'est cool comme ambiance, machin et tout. Et si je mets en plus. Et du coup, bah, on, on fait nos petits trucs, c'est normal et tout. Il y a un petit DJ. Euh... J'ai peut-être, j'ai peut-être les. Attendez, je vais changer de scène. J'ai peut-être des vidéos du bar. Et les vidéos, y a... en fait, il y avait, il y avait une stripteaseuse Mais, bref. Moi je savais pas, apparemment elle m'a dit Irina que c'était normal euh, en Russie euh, D'avoir des, des stripteaseuses euh, Ah je l'ai, je l'ai en plus Je sais où c'est Et euh, en gros, ah ouais je l'avais jamais fait celle là En gros voilà on fait nos petits trucs et tout Je vous mets la scène Ça euh, ça c'est la Neva, voilà je fais mon petit film Parce qu'à bas je voulais faire des vlogs là-bas en Russie Hop j'enlève ma caméra aussi grosse et donc, euh, je crois que... Je sais plus c'était où exactement. Et bref, on fait nos petits trucs. En gros, on se fait recaler à un premier bar. Du coup, on se dit, bon, bah, on n'y va pas. Et après, le gars, il nous dit, ouais, mais on vous recommande quand même ce bar et tout. Euh, C'est un bar... À... Euh... Bah, C'est le bar, machin, avec... Euh... Avec du coup, euh, laboratoire et tout. Et je sais pas, j'espère qu'on va bien voir... Et en gros, l'ambiance du bar, c'était ça. Vous voyez, avec euh, J'espère que je dézoome. Pourquoi je suis en zoomé hein Vous voyez, avec des. Les. Les. Je sais pas comment on peut dire les euh, trucs scientifiques et tout. Et vous voyez. Oh, oh j'ai peut-être les menus. Hein. Alors, regarde. <laughs> Alors, euh. New Boom, Vodka 30. Rum 30. Tequila 30. Jean 30. Cointre 30. Orange juice 100. Blackberry syrup 20. C'était à peu près ça. Les euh, Les shots, du coup. Euh. Voilà. <laughs> et attends, on va me dire d'autres trucs. Mais après, je sais plus c'était quoi les, les 30 et tout ce que ça signifie. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est en CL. Mais dites-vous qu'en gros, vous voyez ce que c'est un tube à essai? Vous voyez un tube à essai? Et ben, euh, ben euh, c'était tout, tout là-dedans quoi. Donc je sais pas c'est quoi les, les quantités. Mais là par exemple, tequila 150, Orange 200, tu vois ça va. Whisky 150, Apple Juice, Whisky, Tequila, Soda, il y en a un autre ici. Merde. Oh non, qu'est-ce que je fais euh, Vodka 30, Rum 30, Tequila 30, Gin 30, Cointreau 30, Apple Juice 100, Sur Syrup 20. Enfin. Mais en gros, c'était des trucs... Je vous jure, enfin, vous le voyez. C'était... énervé, genre... C'était vraiment des, des trucs, des shots. Mais... Bah, je, bah, je, Enfin... Voilà. Tu peux pas prendre beaucoup, normalement. La whisky de sang. Abs, et ça, enfin. Et du coup, moi, moi, j'étais en mode, mais attends. Euh, l'absinthe, c'est interdit en France et tout. Je me suis vas-y, je vais essayer. Au pire, c'est pas grave. <laughs> et, cette, cette pensée, mauvaise pensée. C'était le, c'était euh, c'était pas le bon bon truc et attendez on va il faudrait que je retrouve des euh... là il y a du rhum enfin bref vous voyez c'est ça le, le bar c'est fou le mélange fou euh, laborato fou laboratoire fou laboratoire euh... Rome, Gin, vodka, watermelon. En vrai c'était très 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 bon. Mais j'ai tout record, je me rappelle. Mais Enfin ça t'arrache la gueule en fait. Là c'est Mago là Karaoke... Là, ça prenait. Ça, c'est. Je sais pas, c'est une chicha. Mais voyez, regardez. Est-ce que je peux zoomer Enfin, faudrait que je change ma scène et tout. C'est en Russie, ça, Saint-Pétersbourg. Voyez ça, là, tout ça là. Donc là, il y a combien de tu vas essayer Il doit y en avoir 30 Eux, ils sont 6 Ça va. Ça va, tu vois. Mais nous, on était deux. Nous, on était deux! Et euh. Bah, enfin. Je, je pense j'ai pas fait de vidéo quand j'étais bourré. Enfin, c'est même pas que j'étais bourré, euh, c'est que j'étais J'étais Je n'étais plus une sous forme humaine. J'ai. voilà! C'est ce que je vous disais! Salut, euh, Onifeng. Ça, c'est normal chez eux là! Des gens comme ça qui dansent à moitié nu. Mais moi, j'étais emmené, en... c'est quoi ce bordel? C'est pas moi qui recorde. What? Non mais je voulais le DJ. Je voulais le DJ. Je voulais. Je... C'était pour le DJ. C'est pour le DJ. Et regardez. Ah voilà, on a, on a reçu ce qu'on. Voilà ce qu'on a reçu du coup. Donc là, un petit peu pour manger. Et ça. que j'en pouvais plus. Ah putain, pourquoi on a pris tout ça Ah putain. Ah putain. Ah, putain. Ah. Il y en a. Non, c'est pas possible. Non, je pense que ça va lui prendre des trucs, ça va, mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ouh. Ça c'était, en vrai c'est pas cher par contre. Pour le coup, pour le coup c'était c'est pas cher. Mais euh... non, attends mais j'ai dû oublier, on n'a pas tout bu. Non non c'était c'est moins cher qu'un euro, c'est vraiment pas cher pour le coup. Et euh Bref, il y a, y, a, y, a, y, a y, y a du tubas ça. Mais qu'est-ce qu'on a branlé hein Ah oui, y il avait, y avait des trucs comme ça. En vrai, le bar il était incroyable. Il y avait des trucs un petit peu pimpés et tout. Ça, c'est moi avec. Euh, quand j'avais les cheveux longs. Et du coup, c'était des shots comme ça. Et en vrai, ils étaient, ils étaient trop bons, c'était trop bien. Mais attendez, on va passer, on avance ici de pied. Je, mais je me rappelle, j'étais, mais j'étais wasted as fuck. Mais je pense que ça va se voir dans l'état de la vidéo. Hein. Regardez, ah non, non, j'ai honte, j'ai honte. Mais par contre, ouais, c'est trop bien à boire dans un et ça. Non, mais les shots qu'on a pris aussi, c'était... en plus, c'était pas des trucs de random. Oula, mais attendez, elle est décalée, machin. C'était des trucs un peu énervés quand même. Attendez. Oh, j'ai honte de moi. Mais déjà, là, je pense on, était, on commençait déjà à être un petit peu. Euh... Moi, je pense c'était déjà un petit peu attaqué. Non, mais en vrai, c'était très très bon, mais. Je fais un bisou là, non Non, je fais pas de bisou. Mais pourquoi ça tourne la tête, putain Et c'est elle, elle qui m'a saoulé, je me rappelle. C'était elle, notre serveuse. Elle a, elle a trop incité à la consommation. Euh... Poufios Ouais, là, je, vous voyais là, je commençais déjà à être. Euh, je pense que là, j'avais déjà la tête qui tournait, quoi. Je pense que là... Euh, J'avais déjà les yeux qui se fermaient petit à petit. <laughs> putain de putain, qu'est-ce que j'ai branlé Et là, c'est la dernière vidéo de la soirée. Si il y a du son mais euh, je sais pas ce que je dis donc. Euh, si je peux écouter une fois... J'écoute une fois si vous voulez. J'écoute une fois, on va voir. Dead en anglais, rabat, détruit. Et du coup, c'est ça le nom du bar. De les Dev Bar, je crois. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais un me répond. Là, elle aussi, elle était sec parce que je lui pose des questions. Elle ne me, récomp... elle ne me répond pas. Hein. Elle ne dit pas un mot. Hein. Et vous voyez que la caméra bouge aussi euh, pas mal. Hein. Et hey, regardez, eh! Hey. Hey, eh, ils sont bien, eh! Hey. Ils ont commencé à bien descendre déjà! Et du coup, là, les gens ils dansent avec les stripteaseuses et tout, moi je comprenais rien du tout. Je. À partir de ce moment-là, je pense que j'avais déjà décroché. Je pense que je. Je comprenais plus. Je comprenais déjà plus grand chose. Attendez, je vais voir. Euh... Et du coup, bah, je vais finir l'anecdote. Attendez. Et en gros, euh... on boit, on boit et tout. Et à la fin, on fait, Dylan. C'est mon prénom. Il faut finir. Il faut qu'on parte. Je fais bien sûr, ma chérie. T'inquiète pas. Absinthe, vodka, tous les gens de mon bide, je me lève du je me lève comme ça Oh putain de salaire je crois qu'il y a un problème je vous jure je fais je marche comme ça Attends, je vais je vais reconstituer la scène je suis là je sors du bar ouais oh, toi c'est dernier ouais toi c'est toi great Oh putain Je fais 10 mètres Irina je crois qu'on doit prendre une pause Je me sens pas très bien Vraiment, on, a, on a je pense qu'on a fait 10 mètres Mais de vrais 10 mètres quoi c'est voilà Je me pose Merde attendez Hop on rechange je me pose. <laughs> non, pas direct. Et là je commence à lui faire On va on continue de marcher et tout pour que ça passe. Ouais, ouais, euh, t'inquiète, ouais. Je vais pour me relever. Bon, bah, je peux pas. Bah, bon, je peux pas me relever. Je n'arrive pas à me relever. Comment on fait Comment on marche si je ne peux plus me relever là déjà Et du coup, elle essaie de me relever. Et je ne peux pas me relever. Et je suis au mode. Oh. En oh, vrai, ça, c'était jamais arrivé, ça. Je suis bien con. Et là, bah. Euh... Il, y a... Il se passe des choses. Elle a dû me parler. Je sais pas. Je me souviens plus. Et. Et euh... ben, je. Bah, je. Enfin, pas ce que... Ça commence et tout. <laughs> j'ai pris une cage de Morgana. Ouais, c'est un peu ça y a, là. et Là, je suis. Je suis... Putain, c'est bizarre. Y a... Le truc qui sort là, je comprends pas. Euh... <laughs> ok. En plus, c'est des belles rues. Dites-moi. Hein. <laughs> <laughs> Attendez, je vais vous montrer. Parce que j'ai je... quand même choisi mon endroit au Beuge, hein. Ah, C'est à dire que. Saint-Pétersbourg, c'est comme ça actuel. Enfin, c'est très beau. Hein. C'est comme ça. C'est du beau pavé blanc. Bah, je peux vous dire. Que le beau pavé blanc n'est plus resté blanc. Et, et je commence un petit peu une fois, deux fois, quelques fois, euh, pff, pas mal de fois en vrai. Pas mal de fois pour le coup. Euh, et euh, elle appelle un taxi et tout. Euh, et euh, le taxi il est en mode... Euh, non lui euh, je le prends pas. Il, je le prends pas, il, il est prêt, il va vomir et tout. Euh. Moi je suis comme ça. Dans, sur le siège de derrière, je, dans cette position. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il roule, ce fils de pute ouais, Putain, mais avance Mais je me je, jure, dis, je disais des trucs comme ça, genre. Mais putain, mais quel fils de pute, c'est quand qu'on part Et putain Il était là, Chupi, calm down, calm down J'étais là, Mais oh Et oh putain Et tu sais j'essaie de lui parler un russo-français anglais là. Et Putain d'aveugle d'aveugle connard Et du coup on fait genre On fait je pense euh, Je sais pas si t'avais combien de mètres Genre vous voyez il y a une allée qui est comme ça Enfin vous voyez a, là il y a la grande allée Là il y a une rue adjacente Et juste nous on passe la rue adjacente Et puis je bug bah ça arrive. Ça arrive de vomir, enfin... Voilà. Mais en fait j'ai bug, mais intelligemment parce que dans le sens où j'ai ouvert la porte et bam! J'ai tout balancé. J'ai tout balancé à ce moment-là. Donc vous voyez, j'ai été professionnel parce que j'ai rien mis dans son taxi. Et du coup voilà. C'est bon. Et là le mec il fait... Non bah du coup euh, bah il dégage quoi. Votre, votre machin, ton truc, ça dégage. Ce n'est pas possible, quel est, cette, quel est cet homme Je n'ai pas un homme hein, d'ailleurs. Et euh, on continue du coup, enfin euh, on continue à me à me sort du. Euh, de, 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 de cette chose là. De... Voilà, je crois que je marche dans mon vomi en plus, enfin bref, voilà. Et du coup, je vais pour me poser. Je me pose tranquille. Donc pour se poser, c'est par terre bien sûr. Et en fait, ce parterre, c'était devant un appartement. Donc je me mets là. Petite, P... Petite PLS. Non, non, ce que je me... je me rappelle, mouvement professionnel, encore une fois. Je prends mon sac, je le retourne et je le mets ici. Parce que j'ai ma caméra, j'ai pas mal de trucs et tout. Et du coup, je me dis. Comme ça, je me mets comme ça et en fait, je fais un câlin à mon sac. Alors, mo... comme je me dis dans la tête, les Russes, vous m'aurez pas, bande de fils de pute. On me... On me raquette pas chez moi et pas en Russie. Non mais Irina elle était, elle était défoncée hein Mais Irina donc, pendant ce temps là aussi elle vomissait etc hein. Vous inquiétez pas Et du coup voilà je me mets là comme ça Je me mets contre un mur Je me mets vraiment zépo contre le mur Attendez j'ai peut-être même le sac du prime C'est celui-là pour de vrai Je me mets comme ça Eh vous mourrez pas Vous mourrez pas les salauds donc voilà, on fait nos petits trucs et tout. Enfin nos petits trucs on on, bah, on fait rien en fait au final parce que bah je, on peut pas bouger. Et euh on, moi je continue de vomir allègrement un petit peu partout euh, par plaisir quoi. Et euh Et du coup là, qui c'est que je vois pas Des gens Bah je me dis Help Help, Help! <laughs> Je C'était vraiment comme ça Help! Et, parce que t'es elle, en plus. Ça, ça Enfin bref, c'était une horreur. Et du coup, bah les gens ils nous ignorent. Il y a un mec qui parle en, en français, en anglais, machin. Je sais plus l'heure, bro. Et, euh, et voilà, Voilà machin. Et je pense qu'il y a des, des gens là qui n'ont pas apprécié. Ils ont appelé les flics. Et là, il y a les flics qui arrivent. Non, non, il va être 22 h je pense. Mais attends, il y a, a l'heure de la vidéo. La dernière vidéo en date avant l'heure du crime. Euh, propriété. 23h13. Non 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 non. 1h09 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 et 23 secondes la dernière vidéo. D'accord. Et euh, et je ouais, bon, vous l'avais. Et euh, voilà du coup on. on et là, il y a les flics qui arrivent et je me dis, bah, ils vont nous aider, quoi. Ils voient qu'on est dans le mal. Et ils voient que, que je suis en train de vomir. Et en fait, non, eux, ils étaient venus parce que j'étais en train de vomir devant un palier d'un appartement, en fait. Euh, C'est-à-dire que. Euh, en fait. Vous voyez, vous voyez où, bah, où vous mettez vos codes pour entrer dans l'appartement Bah, moi, j'étais sur ça. J'étais comme ça. Là, il y a la dalle devant moi. Genre. Euh, comme ça, je suis du coup avec mon sac, n'oubliez pas. Là, il y a la dalle à mes yèpes, Et j'étais <laughs> en boucle depuis, bah, je sais pas combien de temps ça a duré. Et je balançais mon petit vomi petit à petit. Et je peux comprendre en vrai que si t'habites dans le coin et que tu vois un mec qui, qui bûche devant chez toi, bon, ils c'est peut-être au coin des les flics, bref. Et euh, là, il y a les flics euh, qui commencent à me parler et tout, bah, je comprends rien parce que je leur dis, euh, bah. Bah, je. Moi, moi, je. Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Et, et Irina a été défoncée aussi. Et aussi, on sait. Ok, bref, ça c'est après. Faut pas se perdre. Et du coup, les filles qui me parlent et tout, je comprends rien, je pas un truc. Et du coup, bah. La façon. La plus. Euh, la plus. Comment. La façon la plus simple pour moi de m'exprimer à ce moment-là, c'est de leur demander de me relever. Pour en plus les regarder en face à face et qu'on parle, quoi. Qu'on essaie de se comprendre. Et du coup, je leur tends la main, comme ça. Je suis comme ça. Aidez-moi et, euh, et ils veulent pas m'aider. Genre, ils me, ils, me, ils me relèvent pas, les flics. Non, en vrai, pas cool. T'es flic, tu es tu es là pour aider, pour aider la population. Et c'est là c'est là que j'ai peut-être vu un petit peu rouge. Non, j'étais vraiment en mode s'il vous plaît, messieurs. Et là, c'est peut-être un moment où j'ai vu rouge. Et je, genre, ça, je me rappelle encore, ils étaient deux. Ils avaient, ils avaient une chapka, et j'étais vraiment... Je pense j'étais au sol, vu le point de vue que je me rappelle. Ah, j'étais au sol, du coup. Enfin, bref. Et euh, j'ai l'air comme ça. Et je sais pas, j'ai... Bande de fils de pute. Mais toujours un petit peu énervé et alcoolisé. Et, et voilà. Et j'étais là. Vous êtes des fils de pute. Oh Bande de gros fils de pute. Et genre, vraiment... Ils m'aidaient pas à me relever et je, je leur parlais du coup en full français. <laughs> et j'étais là. Aidez-moi à me relever, bande de gros fils de putain, de ouf un et tout. J'étais là, mais aidez-moi <laughs> Aidez-moi à me relever Et du coup, je pense Au bout d'un moment, <laughs> ils ont compris que... Bah que je, 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 je leur insultais leur daronne en fait. Parce que moi je pense que je les ai vraiment insultés... Euh, bah j'en pouvais plus en fait, aidez-moi. Et en fait à ce moment-là, il y, y a deux personnes. Qui sont venus, une madame et euh, un pote à elle ou son copain, je sais plus. Et en gros, elle vient et elle nous, ils nous prennent genre sous leur. Euh, bah voilà, comme ça quoi. Et on marche euh, on marche à nos petites. Eh hey Est-ce que vous voulez que je retrouve sur Google Maps l'endroit Je pense que je peux retrouver exactement l'endroit, la scène du crime et tout. Euh... Oh, j'ai je, 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 je déjà trouvé Comment on met la Google View quoi Mais c'est incroyable hein, ce qui se passe là. Comment on fait pour trop. Dites-moi, c'est quoi le petit bonhomme Allez où J'étais juste là J'étais juste là Le bonhomme jaune Il est là. Ok. Oh parfait Let's go Ok, oh c'est là, c'est vraiment là. Ok, le bar il est ici. Ah oh, oui, c'est putain, c'est là. Et quand je vous ai dit que j'ai fait 10 mètres, les premiers vomis étaient ici. Le bar est là, vous voyez J'ai commencé à vomir ici. D'accord Donc quand j'ai vraiment dit 10 mètres, c'était de vrais 10 mètres, d'accord C'était pas... Et du coup, vous vous rappelez le taxi Quand je vous ai dit qu'on a fait 50 mètres, il était là, je me rappelle exactement, il était là. Et on s'arrêtait... Ah oh non, attendez. On s'arrêtait... Euh, on s'arrêtait où On s'arrêtait où Ah non, peut-être plus fait plus de 50 mètres, attendez. Je suis pixé, hey, j'ai tenu en fait dans la voiture Il y a un parc Normalement pas loin, oh c'était là C'était là, il est pas là le parc Il est là Eh hey, j'ai fait plus de 50 mètres c'était juste là Yes J'ai vomi, je vomissais, attends c'était où ça, Je raconte ça comme si c'était un exploit je suis une merde Je crois, attends c'était où Je sais que c'était dans ce, c'est ici Parce qu'il y a la suite de l'histoire et Il y a la suite de l'histoire Et attendez Normalement, putain, ça me revient, tout me revient petit à petit là. Il y a un truc de métro par ici, je crois. Ici. Et moi je vomissais ici. J'étais sur les marches en fait et du coup, c'est une banque, c'est la banque la plus connue de Russie là. Bah j'ai repeint, j'ai repeint devant chez eux. Et euh je me rappelle très bien parce que de, y avait ça en dessous. Et euh du coup, voilà, je sais plus où j'étais. Euh, J'étais là, paf, paf J'insulte les flics, on revient Je reviens euh, Les flics, je les insulte, machin, ils comprennent Que qu qu je commence à un petit peu énerver Je pense qu'ils ont des fils de but en boucle Ils, ont, ils devaient dire qu'il y a un truc avec ce mot Je, ouais <laughs> Et du coup, il y a deux personnes qui viennent Ils nous prennent sous leurs bras, paf Paf On se met, c'est pas sur ce banc là On se met sur ce banc là et là, en fait, la meuf. C'est pas fini l'histoire, hein, ça part encore plus en couille. On est là, je vais me remettre en grand. La meuf, elle est, elle est en mode. Oh, déjà, il parle anglais, donc c'est trop cool, tu vois. Il commence à parler anglais et tout. How are you? What did you drink? Euh, machin. Je sais pas, les filles, je me rappelle pas. Je pense que les deux avec nous ont, dit, ont dû désamorcer le truc, tu vois. Et euh. Et tu vois, euh, on va, on va au, au truc. Et la meuf, elle me fait, putain, vous avez pris quoi, machin, how are you Je fais, euh, bah, drink alcohol, le bit too much. Blah. Non, je, je crois que je vomissais plus à partir de ce moment-là. Peut-être si, un petit peu. Je sais plus. Bref, et la meuf a commencé à m'ouvrir les yeux comme ça, Un fait des comme ça, genre, are you sure you didn't take drugs Et moi, je fais, oui, oui, je prends pas de drogue, je déteste la drogue et tout. Et elle me rouvre les yeux comme ça « Are you sure you didn't take drugs ?» Et a fait pareil à Irina, et euh, c'est les mêmes yeux que pour Irina, tu vois. Et je lui fais « Non, pas de drugs No drugs No drugs et !» euh, Et la meuf, je la vie de ma mère, la vie de ma mère, la meuf, elle me sort, elle est, elle, on va dire, elle a un pull, elle me sort son pull, elle me fait comme as, ou je sais plus, c'est jusque là, et elle me montre voilà les piqûres Elle me montre toutes ses piqûres sur son bras Et j'étais en mode, mais... C'est quoi ce bordel Et elle me fait I know drugs You took drugs J'étais en no, mode I didn't take drugs Et la meuf a été si 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 You took drugs J'étais Non 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 No drugs Et... et bah du coup j'ai... Je n'ai jamais su si c'était le cas Parce que euh, je pense qu'elle était experte hein, vu... Euh, vu bah les... Vu son corps euh. Et euh, Et voilà Et euh, Je sais pas si je devrais dire ça Ouais si, vas-y, on s'en fout, de toute façon on y est là. Et genre, euh, le mec après, on change parce que le gars, il, il s'occupe un peu de moi et tout. Et après, elle leur fait des trucs ça, comme ça avec Irina. You took drugs! T drugs! T drugs! Et nous on était là... Non, 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 niet 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 drugs! Et la meuf, je, je tourne la tête. Et elle embrasse Irina. Et là, j'étais en mode... Qu'est-ce que... Je rouvre mes... mes gros yeux comme ça, je <laughs> <laughs> euh. du, je crois, je, 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 du coup, je tire sur son truc. Je fais euh, niet niet. Non non, c'est pas. Eh oh oh, à moi. Hein. Fais fais quand même. Et du coup, je, bah, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Bref. Et euh, du coup, ces gens-là, on leur demande de nous appeler un taxi. On leur donne no notre adresse et tout. Hein. Et euh, ils nous mettent leur... Euh, ils commandent un taxi pour nous avec leur... Euh, C'est eux qui payent le taxi et tout. Moi, j'ai toujours en train de vomir, en train de parler du franglais. Là. On prend le taxi. Je me mets dans le taxi. N Oubliez pas, j'ai toujours, mon, toujours mon, mon sac comme ça. Hein. Dans le taxi. Ceinture, bien sûr. Toujours. Ah non, j'ai pas dû mettre la ceinture ce soir. Faites pas ça chez vous, d'accord Mais je, je crois que j'avais pas la ceinture. Sac ici, euh, ceinture. Je vais vous la refaire parce que, comme ça, non, j'ai pas galoche son mec, non. Hop, comme ça. Et là, je fais Oh, sorry, sorry uh, Comme, comme Et du coup, je demande aux deux autres de revenir. Et en fait, encore une fois, je suis lucide, mais je suis la... lucide, mais enfin, incroyable. Et je leur fais Give me your vikay. Et en gros, parce que sur euh, eux, ils ont pas Facebook, ils ont VK Et pour les remercier le lendemain, en fait. Enfin, bref, et du coup, je lui donne mon portable à tout moment. Il pouvait se barrer avec hein, parce que je pouvais pas partir. Euh, enfin, je pouvais pas courir. Et il me, il me donne son truc et tout. Bref, c'est la suite de l'histoire après. Dans la voiture, comme ça, ferme les yeux, prier, ne pas vomir. J'étais comme ça, ne pas vomir, ne pas vomir, ne pas vomir. J'ai encore mon caméscope, oui, ne pas vomir, ne pas vomir, ne pas vomir. J'ai mon, mon porte-monnaie, oui, ne pas vomir, ne pas vomir, ne pas vomir, ne pas vomir. Ouais. Et genre, ça a duré, je pense, 25 minutes. où J'étais vraiment. Pas vomir, ne pas vomir. Et euh... et voilà, on est arrivé. Ah oui, l'histoire n'est pas finie. Ah putain. On arrive. ils nous déposent. Et je vous jure. On arrive devant le, le bas de. Euh... Je sais pas comment on dit, des appartements. Vous savez, les rez-de-chaussée, quoi, où t'as le. T'as le. Tu mets ton code et tout. Et je vous jure, on arrive tous les deux. Oh putain! Et vraiment, on était au sol. On a rampé jusqu'au truc. On rampe jusqu'au truc comme ça. On se tire genre en mode. Ouvre la porte! On ouvre la porte! On ouvre la porte. On rampe jusqu'à jusqu l'ascenseur. Ouais, comme dans le Loos comme dans le exactement. <laughs> oh putain de merde. On arrive dans l'ascenseur, on se met... Moi j'étais toujours bah, avec mon sac comme ça. Huitième. Hop, hop, les clés. On arrive dans le lit. Les deux comme ça. Pas... On n'a pas fermé, on a pas fermé euh, rien. Juste... Puis réveille, réveille le lendemain. <laughs> Réveil le lendemain. Oh putain sa mère. Oh il s'est passé des trucs là. Euh... Je vais voir mes chaussures. Bah attends, putain, elles sont... Bah... Bah putain elles sont... Il y a du liquide à moitié dessus. Moi ouais, je... J'avais j'avais bégère sur mes pompes en boucle là, toute la soirée. <laughs> toute la soirée mes chaussures elles étaient en mode... Arrête Arrête ah, de vomir dessus Moi j'étais... Ah, je peux pas... Je vise plus. Je euh. <laughs> peux pas viser, c'est mort. Et euh... <laughs> Et euh, voilà. Euh... Et par contre je me rappelle très bien que Irina, elle, a, vo a vomi sur euh, mes chaussures, genre... Euh... Vraiment... À la... ça imaginez, ça c'était ma chaussure. Ça c'était ma chaussure. Bleueur. Enfin bref. Et euh, comment vous dire... Euh, voilà. Et euh, du coup, j'ai rajouté le lendemain, le monsieur. Et je peux vous montrer. Je peux vous montrer. VK. Oh, je peux retrouver le message même. Oh, je peux retrouver le message. Attendez. Attendez, là c'est peut-être un... Là c'est peut-être un, un truc incroyable. Qui c'est qui... Thank you, thank you and Kay for yesterday, you helped us a lot, that was very kind. you saved us. Deux petits points, trois. Envoyé à 10h40. Et attendez, je vais peut-être traduire ce qu'a dit Irina. Elle a dit quoi Irina, on va voir. Ration. Parce que la, la fille, elle s'appelait Kay, d'ailleurs, voilà, c'est ça. Ou ouais, ça on pense que ça s'appliquait. Euh. Et du coup Irina l'a envoyé "Bonne journée. Euh, merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup pour votre aide. Sans vous, nous serions restés assis dans la dans la rue toute la nuit car le chauffeur de taxi a refusé de nous guider. Merci beaucoup." <laughs> voilà. Merci Alexander euh, Miakonkov. Merci à lui. Et puis, euh, je pense que c'est la fin de cette anecdote. Hein. Est-ce que. Ah si, et aussi, point négatif, Irina a perdu ses, ses lunettes euh, ce soir-là. Et je sais, c'était quand C'est quand on s'est vautré au hall d'entrée de l'appartement, la, de genre. Voilà. Alors, cette anecdote. Elle est vraie ou elle est fausse Dites-moi, monsieur Macron. Hein. Alors hum, hum, hum.